Le jeu fait partie du nous, c'est pas le, pas le nous qui est une juxtaposition de jeu. Et c'est cette façon de s'inscrire dans le collectif, c'est dans un bien commun, qui n'est pas celui de la performance individuelle. Et évidemment, c'est ça la vie politique aussi, la vie commune. Donc c'est un sport évidemment qui se prête au récit, qui se prête à la réflexion philosophique, qui se prête aussi au coup de courge et au bourrinade habituel et au gorgeon. Hein. Et c'est ça qui en fait évidemment la, le prix. En tant qu'artiste, on est vraiment nourri par ce qu'on voit. J'ai étudié un petit peu l'histoire de l'art et effectivement, j'ai commencé avec Kandinsky, mais après, moi, c'est les couleurs expressives des formes de Rhin en particulier. Et c'est notre regard et notre interprétation de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent. L'artiste, quel qu'il soit musicien, chanteur, son rôle, c'est ça, c'est transmettre finalement les émotions. Au-delà de l'opposition, en tout cas, à travers. À travers ce débit, ce derby, pardon, je pense qu'il y a, il y a une fraternité très forte qui se dégage. Oui, une fraternité. Ils sont frères de rugby. Il y a un esprit qui apparaît au moment le plus tragique, dans ce double épisode tragique, incroyable, voilà, de ce double décès qui endeuille deux fratries, deux équipes, deux clubs, deux villes et tout un département. Ce qui nous a intéressé aussi beaucoup, c'est dans la construction de notre club à l'ESB, c'est d'avoir de la mixité. Très tôt, il nous a semblé que, c'était évident que les filles avaient le droit de jouer au rugby, comme les garçons, et que de toute façon, la mixité était bonne pour notre club. Parce que quelque part, c'était une autre ouverture, c'était d'autres discussions, c'était aussi d'autres troisième mi-temps. Et ce qui a fait la différence, c'est qu'à un moment donné, on a eu vraiment de la compétence qui est arrivée. Avec bon, l'arrivée de Jean-Baptiste Lartigot, qui est aujourd'hui directeur centre formation de l'Aviron Bayonnais, et Jean-Michel Gonzalez, qui ont apporté, qui étaient des entraîneurs de haut niveau qui s'intéressaient aux filles. Sur les bases, donc on travaillait, où je demandais, je faisais des séquences où je demandais, et j'exagérais la défense, je les forçais à avancer, et je réduisais ensuite le nombre de défenseurs, et toujours avancer, il fallait qu'ils se démerdent à récupérer le ballon, tant qu'on ne récupère pas le ballon, il fallait avancer, jusqu'à l'extrême. Donc effectivement, c'était un conditionnement, et les joueurs, ensuite des séquences de plaquage individuel. Donc j'ai dit des 1 contre 1, donc j'ai envie de dire à un moment donné, quand on n'arrivait pas collectivement à réussir à avancer, à réussir, messieurs, vous ne voulez pas le faire, allez, on passait 1 contre 1 dans les 5 mètres, on défend les 5 mètres, donc un ballon, on ne regarde pas, une colonne, ballon, une colonne, défenseur. Alors il y avait des coquins, certains, parce qu'effectivement, tu vois, tu avais dans les colonnes, je mélangeais avant 3/4, il n'y avait pas de truc. Alors effectivement, quand tu as arrivé Olivier Merle qui allait avoir le ballon, il y avait en face, un jour j'avais le capitaine qui était un petit peu coquin, Philippe Saint-André, effectivement, il regardait qui c'est qu'il allait prendre dans le truc. Effectivement, souvent je le voyais reculer, sauter, quand il y avait Merle qui allait se présenter. Personne ne voulait s'y mettre en face, mais enfin, il fallait quand même y aller, donc, c'est humain, je les comprends. Pour aller à la rencontre des rugby du monde entier, c'est plus qu'une fraternité, enfin, je sais pas, c'est une franc-maçonnerie, quoi. Chaque fois qu'on va quelque part et que c'est pour le rugby, on peut ne pas parler la langue, on peut ne s'être jamais rencontré, quoi. On est tout de suite adopté, quoi. Enfin, c'est un truc, c'est, les portes s'ouvrent, quoi. Voilà, et puis on rentre et ensuite on commence à discuter, quoi. Il n'y a pas de négociation sur le pas de la porte. À cette question, on dit au moins, j'espère que le rugby professionnel et Pierre de Lucera n'acceptissent pas ces figures, ces archétypes, ces personnages flamboyants, volcaniques parfois, qui ont des histoires des fois extrêmement romantiques, parfois dramatiques, parfois fabuleuses. Et j'imagine bien que tu as dû en croiser, toi, comme j'en ai croisé aussi. Des phénomènes qui prêteraient à écrire des histoires fabuleuses. Moi, je pense justement que le rôle d'un artiste, d'un écrivain, puisque ce qui nous rassemble là, c'est l'écriture, c'est d'inventer ce qu'on ne voit pas, d'inventer ce qui manque à la perception collective, c'est-à-dire ce qu'ils ne disent pas, ce qu'ils pourraient très bien avoir dit, ce qu'ils pourraient se retenir de dire. Parce que moi, je suis sûr qu'ils ont des tas de choses à dire, ces jeunes gens qui jouent aujourd'hui, ils sont juste empêcher de façon presque contractuelle de les dire. Alors, le rôle d'un artiste, ce serait, ça se fait hein, dans d'autres disciplines,
Alors on a pris par exemple une série, on parle évidemment de cinéma, une série qui est dédiée à Diego Maradona. Évidemment elle s'appuie sur les archives, sur tout un travail biographique, mais Liberté Grande est laissée au scénariste et au réalisateur qui choisit un angle. Le romancier peut tout faire avec ceci là, quand il est dans ma poche, j'ai un stylo, là. En 3 secondes, je déclare la guerre au monde entier. C'est avec un bout de papier. Je peux inventer un personnage de roman. Et on peut trouver toute liberté, tu parlais de l'auteur, toute liberté à choisir sa matière. La liberté de l'auteur, elle est totale. Et là, arrivé une voiture française avec 2 gosses à bord, et les 2 gosses à bord, ils courent vers nous. Et nous, on a pensé avec une écrière en papier à la mer qu'il venait quoi, enfin, peut-être signer une autographe et signer une autographe dont je voudrais oublier à Pamplune, ça ne se fait pas souvent. Et bien il va arriver vers le barbu et on met putain, mais t'es connu toi, dis donc ici. Comment? Ah, il y a un cheval, c'était Mingoué. Donc Ernesto et Mingoué. Et c'est comme ça que nous avons dormi une nuit avec Don Ernesto Hemingway. Donc on était très loin du rugby, très loin du rugby, mais on avait quand même l'esprit de ce que le rugby avait fait de nous, et on avait eu une vie élevée, et tous ceux qui l'ont pratiqué, mais quel que soit le niveau d'ailleurs. Et puis des histoires de la sorte et d'autres, plus sérieux peut-être, font pas parler de syndic, mais que du plus petit au plus grand, celui qui a eu la joie de pratiquer ce jeu, il pourrait raconter d'autres histoires.